Bonsoir à tous, bonsoir. Alors ce soir on va faire des Tsubego. C'est la petite résolution qu'on avait prise là, dans les derniers streams et on l'avait pas commencé. On va faire ça sur 100 Itch.io pour commencer. Et après il y a pas mal de sites, pas mal de catalogues on va dire de Tsubego à faire. Mais déjà on va se remettre un peu dans le bain et on va en faire là, à la demande on va dire. Pour l'instant c'est des niveaux CQ et ça va monter petit à petit. Donc voilà, on se remet dans le bain tranquillement. Je mets de la 7 tout de suite, j'en ai fait un ou deux là. Donc c'est des séries de 10, 15, je sais plus. Donc on va voir ça, je vous mets ça tout de suite. Hop, voilà. Non, la scène ça va à peu près. Et du coup, salut Caliban. Donc ouais, des problèmes de vie et de mort. Ou autres problèmes même. Des fois des problèmes juste trouver le meilleur coup. Des coups d'yossé, des fois aussi. Mais c'est plus rare, mais il y en a. Donc là par exemple. C'est à Noir de jouer, et là, ouais, il faut tuer. Non, faut vivre, pardon. Il faut vivre. Très bien. Déjà, pour vivre ici, si jamais on joue quoi que ce soit par là, Blanc connecte ici, et c'est la fin de nos espoirs pour faire deux yeux. Donc le premier move est assez facile à trouver. Mais c'est la suite qui est, j'imagine, un tout petit peu plus difficile. Comment est-ce qu'on fait deux yeux dans ce truc? Alors ici, je me remettre dans le bain. J'ai vraiment plus, pas la, j'allais dire plus, mais pas l'habitude de réfléchir sur des Tsubego en fait. Sans utiliser trop la souris. J'imagine. Hein. Parce que si ça se passe comme ça, oh bon, laissez-moi jouer. Attends. Aïe, voilà. Tac, ils ont dit quoi? Ils ont dit ça. Quand ça se passe comme ça, j'imaginais noir. Blanc, pardon. Si on revient là, en fait, blanc, si. S'il vient se connecter sa pierre, on voit déjà la forme en 4. Forme en 4 qui est vivante normalement. Et en fait, quand on rajoute un coup ici, tac, on aura la forme en 4, donc c'est bien vivant. Et on n'aura pas de problème de liberté parce qu'on a pas mal des deux côtés. Tout simplement. Je voulais juste vérifier qu'est-ce qui se passe si on fait ça. Blanc capture, on fait ça. Ouais, c'est un peu chaud. Même ça, ça vit en fait. Tout vit à peu près, je crois. Alors ici, on a un œil. Et il faut en faire un deuxième. Comment qu'on fait? Bon, là, c'est un peu plus facile. Hein, le point vient direct. Le point, c'est ici. Si blanc ne répondait pas ça, on pouvait prendre les deux pierres. Donc blanc fuit et connecte ses pierres, mais on peut refaire atterrir sur ces trois-là, il a envie de les sauver, et à ce moment-là, on peut capturer celle-ci qui nous donne notre deuxième œil. Je vous remontre un peu. Quand on fait ça, si blanc répond par exemple sauver cette pierre, parce qu'on a vu que c'était là où on a fait notre œil, s'il la sauve, on peut venir ici. Et maintenant, si blanc essaie de fuir là, on capture. Même s'il essaie de nous créer un faux œil, on en aura un ici, le deuxième là. Donc ça, c'est vivant. Si blanc essaie de résister comme ça en connectant toutes ses pierres, on remonte, on a deux libertés, et blanc n'en a plus qu'une. S'il essaie de fuir, on capture le tout. Donc ça ne marche pas. Et comme on disait ici, tac, là, si blanc fuit ici, on capture, c'est la même séquence que tout à l'heure. Donc blanc. Blanc protège ses pierres et on capture la pierre. Voilà, deux yeux, tranquillement. Ouais. Ici, au début, je cherchais est-ce qu'on peut vivre sans condition. Et ça semblait quand même assez chaud, hein, c'est assez restreint comme coin. Donc il faut obtenir le strict minimum et en général ça va être du coup un seki ou un ko. Et là c'était un seki, un ko pardon. Et pour créer un ko ici, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le contact. Et quand blanc met à taille cette pierre, on joue ça. Comme ça, il y a un ko. Si blanc perd le ko un jour, on aura deux yeux ici et ici, même trois. Hein.
Et si blanc résiste, on capture là, on a deux yeux également. Donc c'est un coup, tout simplement. Rien d'autre ne marchait, a priori. Si on joue là, blanc réduit ici, le nez apporte la mort, on dit souvent. Noir, s'il résiste comme ça, blanc avance, hein, on est mort. Si noir résiste comme ça, blanc avance ici, ça a l'air bien mort. Donc ça suffit pas. Si noir joue ici, on voit la forme ici, en fait c'est une forme un peu en 5. Donc c'est un peu compliqué. Blanc peut rajouter un coup ici, ça a l'air mort. Et je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je vois pas trop quoi d'autre. Si il essaie de résister comme ça. Là on peut venir là. Non. Je fais des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait ici? Blanc fait peut-être pas ça, il vient direct peut-être ici en fait. J'imagine. Salut Foc, comment tu vas? Explore. Ouais, ça, c'est les deux coups qu'on a montrés. Ah oui, noir va là. Blanc réduit, tac, tac, tac. Ok. Et du coup, j'imagine que c'est un peu la même chose sur ça, en fait, ce que je voyais pas trop. Tac, tac, et on fait ça tout simplement. Ouais, je suis bête. Et ce sera mort. Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Faut que je surveille quand ça devient trop sombre, parce que j'ai pas mis la lumière. Mais là, pour l'instant, ça va, je crois. Ah, bon, bah, bonjour à lui, alors. Tu fais le héros, le messager. Ah, je fais quelques tsumego, là, j'essaye. J'essaye. Même si là ça va, ils sont pas trop compliqués. Mais comme ça, je suis dans l'explication aussi, et juste ça peut intéresser certains. Et c'est revoir des bases, ça peut pas être mauvais. Et toi, ça va bien, Foc d'ailleurs? Je vais voir chez lui, puis je reviens ainsi de suite. Bah oui, normal. Et là, ils font ça avec 5-6 streams. Ouais. Alors, à noir de vie, de jouer. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas bien? Cool, super. Ici, noir, il y a l'air d'avoir des petits problèmes parce que il n'a qu'un œil de sûr pour le moment, a priori, hein, c'est l'œil en T16. Qu'est-ce qui se passe alors? On peut se dire, my vie, il capture ces deux pierres-là, il vient là. Est-ce que ça suffit pour tuer blanc en même temps? Noir? Blanc et noir recapture ici. Blanc, noir, blanc, noir. Ah, ça a l'air de suffire, en fait, de capturer là. Je regarde quel est le piège, en fait. Je me dis, il y a forcément un piège. Noir capture. Je vois pas le piège. Je suis peut-être bête. Hein. Mais non, il n'y a pas de biais. Ok. C'est fait pour te faire douter. Et effectivement, si on ne joue pas ça, le risque, c'est si par exemple on vient là, j'imagine que c'est une erreur, oui. Tac. Oui, bah oui, je suis bête. On se met en auto-atari, donc ça, c'est pas possible. Si on tente de vraiment... Ah, peut-être que je peux connecter de ce côté aussi. Quand blanc vient là, en fait, le problème, c'est que noir ne peut plus venir ici. Et s'il capture ça, du coup, il est bien et bien vivant. Mais dans ce cas, blanc peut venir là. Et blanc a un œil. Et noir, s'il tente de fuir, blanc peut se mettre à l'intérieur. Certes, noir peut le capturer. Mais par ce fait, il se retire une liberté. Et blanc peut revenir. Snapback. La prise en retour, il prend les trois pierres. Et blanc est vivant. Donc en fait, le piège, c'est de vouloir trop en faire en jouant compliqué. Ça sert à rien même. Hein. Tac. Hop, noir capture. Blanc vient là. Noir capture. Blanc. Et là, noir ne peut pas venir là, sinon on se fait capture en gros. Si noir protège, tac, tac. Si noir protège, tac. Vivant. Donc ouais, il faut pas trop en faire, faut juste, entre guillemets, prendre ses pierres. Et là, blanc, il peut rien faire. S'il protège là, noir vient là. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Atari, Atari. Ah, là, ça change, il connecte. Il y a qu'un œil. Zut. Et même avec ça, ça revient au même.
Ici, blanc vient là. Bon, on vient juste ici. Maintenant, il n'y a plus d'auto-atterri. Et c'est la forme du 4 idiot. Même s'il n'y avait pas de pierre noire, en fait, le 4 idiot, c'est un peu particulier. Pouf, pouf, pouf. Je sais pas si j'avais besoin de mettre tout le tour, mais bon. En fait, le 4 idiot, c'est une forme un peu dure, parce que. Un peu sévère dans le sens, dans ce sens-là. Parce que si, même si blanc joue en premier pour essayer de vivre, ça fait une forme en 3 et noir a plus qu'à répondre à l'intérieur et c'est mort. Donc c'est une forme morte déjà de base. Ça fait. C'est embêtant. Hop. Alors ici, à noir de jouer. C'est bien. Voilà. Donc, alors ici, le piège c'est on a un œil dans le coin. Attention, quand on fait ça, ça c'est un faux œil. On est mis en atari ici. Donc, mis en atari. Donc attention à ça. Le coup est assez intuitif en soi. On augmente notre espace vital. Et blanc, si réduit comme ça, on peut prendre un peu plus de place. S'il réduit comme ça, on vient vivre tout simplement, on fait nos deux yeux. Et comme dans la partie, quand il fait ça, en fait, il cherche des petites séquences où des fois ça marche. Mais si la pierre est un peu plus proche, par exemple, là, le problème, c'est qu'on peut revenir en T13 et capturer tous les pierres. Mais effectivement, hein, s'il y avait une pierre blanche là, on peut faire ça. Noir ne peut pas aller là, donc capture. Des fois, il y a des séquences comme ça où ça crée un faux œil. Donc ça, il faut bien le lire d'abord. Dans ce cas-là, noir laisse cette séquence en suspens et jouera ailleurs. Et par exemple, sur une menace de co, on revient dessus, etc. Ça peut servir à ça, par exemple. Mais là, en l'occurrence, ça marche parce que c'est assez loin, on va dire. Hop. Alors, ici. Pareil, il faut pas se précipiter, il faut pas se dire je capture la pierre. Parce que là, blanc vient ici et vit. Il n'y a même pas de coup, hein, parce que blanc, quand il fait ça, en fait, il y a deux yeux sûrs, donc il n'y a même pas de coup. Et si on descend, pareil, il peut y avoir ça, puis la vie. Donc là, il faut être plus patient, plus malin que ça. Il faut se dire, ok, qu'est-ce qui fait souvent les points 1, 2? Ici, il est assez visible, hein, parce que c'est la forme en 3. Donc on va à l'intérieur. Et blanc, il peut pas juste protéger comme ça, sinon noir capture, forme en 3, c'est fini. Et si blanc capture, on peut se dire, ah oui, mais il a un œil là, un œil là. Oui, mais dans ce cas-là, noir à la descente, qui est assez puissante parce que blanc, il a envie d'avoir cet œil. Il n'a pas envie que noir vienne mettre en attaque de ce côté. Donc, il défend. Mais dans ce cas-là, cette pierre-là, elle a pas mal de liberté. Et elle peut venir mettre attaque ici. Blanc doit répondre. Et cette forme n'a pas deux yeux. Donc ça c'est assez tricky, mais ça revient assez souvent dans les Tsumego et même en partie des fois ça arrive. Ça arrive, ça arrive. S'il y en a dans le stream qui ont des questions, hein, n'hésitez pas. Hein. On peut revenir tranquillement dessus, regarder un petit peu. Ok. Encore un snapback. Ici. Il faut regarder, ok, les pierres blanches ne sont pas connectées. Donc, a priori, on peut jouer sur ça. Et en plus, ce groupe-là n'a que 3 libertés. Ce groupe-là n'en a que 3 également. Salut Inbogi, comment tu vas? Donc, en fait, quand on joue ici, on retient une liberté. Mais en plus, effectivement, si on joue ailleurs, bah, si blanc joue ailleurs, noir, en jouant là, empêche blanc de bouger totalement. Donc, blanc, il se sent obligé de capturer cette pierre. Il ne peut pas venir de ce côté pour mettre atari, encore une fois auto-atari. Donc, capture de ce côté. Mais quand noir vient ici, blanc ne peut plus rien faire. C'est un snapback. Si blanc capture cette pierre, noir capture le tout. Voilà. Salut Godave! Yep, Tsumego. Ah bah toi, oui, tu en as fait beaucoup. C'était hier. 12 hours of Tsumego yesterday. Nice run. Tac tac tac. Salut Boshi.
Ah bah il y a du monde ce soir. Il y a du monde, il y a du monde. Bonsoir à tous. Ah, premier message dans le chat. Bienvenue à toi. On fait quelques petits Nsumego, donc n'hésitez pas hein, si... De Kageyoshi. Ok, ça roule. Ah il m'a... Non, il m'a pas... Regardez s'il m'avait... Raid. On passe au suivant. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Non, ça... Ça va pas. Alors, ici. Ouais, toi, tu dois être crevé, Godave. Mais ça doit être intéressant. Alors, ici, noir, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de réalisable? Encore une fois, on peut regarder les positions des deux joueurs et on peut se dire, bon, c'est surtout blanc qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il a des faiblesses? Déjà, combien de groupes a blanc? Blanc, il a un groupe ici. Pardon, j'ai mangé. Il a un groupe ici. Un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Tourner vers l'extérieur, ça a l'air bien solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y a un groupe ici, en diagonale, c'est pas connecté, qui a 1, 2, 3 libertés. Ok. Suivi d'un autre groupe, d'une pierre à 2 libertés, ok, sur le bord. Et ensuite, un autre groupe à 4 libertés, encore une fois, sur le bord. Ok, clairement, ici, il y a une petite faiblesse. Nous, on est costaud comme ça partout là. Ça a l'air safe. Et ces deux pierres-là, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose? Tiens, il n'y a que deux pierres, mais en fait, elles ont trois libertés. Et ces pierres blanches-là, elles ont trois libertés également. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? C'est à noir de jouer. Pas trop fatigué? Oh là là. L'habitude, peut-être. Se rajouter une liberté et en enlevant une en R18. D'accord, je vois. Donc toi, tu plaides pour jouer ce coup. Si on joue ce coup, blanc résiste, ça a l'air naturel. Est-ce que tu as lu la suite? Faudra que j'allume dans pas trop longtemps, je pense. T'inquiète, on le fait tous. Hein. On se dit, ah, ça, et on verra. En vérité, ici, si noir continue comme ça, blanc résiste, tout simplement, entre guillemets. En jouant là. Et maintenant, si tu veux venir enlever ça, blanc peut venir ici et t'enlever toute capacité de bouger. Si tu viens maintenant ici, il te capture. Et tu n'as plus le temps de faire quoi que ce soit. Si tu viens par là, blanc. Ah, mais laissez-moi jouer! Tac, 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 tac. Tac, tac. Donc là, tu peux plus trop bouger. Si tu essaies de prendre le temps là-bas, ça va pas suffire. Tu pourras prendre ces pierres-là à la rigueur, mais tu vas laisser blanc prendre tout ça. Ça se joue à une liberté, ils abusent. Ah, très souvent, hein. Très souvent. On dit souvent que les joueurs de Go ne savent pas compter jusqu'à 2. Mais on est tous dans ce cas-là. Hein. Les joueurs d'Anne, les joueurs de Q, les joueurs d'Anne Pro. Ouais. En fait, le petit coup ici, c'est qu'il faut essayer d'anticiper, d'être un peu plus rapide. Et là, il y a un petit Tsuji qui est assez commun finalement, que tu pourras retrouver assez régulièrement. C'est S18 ici. S18, car blanc est obligé d'aller par là. À la différence de tout à l'heure, quand on avançait ici et que blanc résistait, à ce moment-là, quand il résistait, il avait encore 3 libertés. Là, il résiste, mais il n'en a que 2. Donc, on peut le mettre en attaque. Ou forçant, il répond ici. Mais dans ce cas-là, on peut mettre Atari ici. Il ne pouvait pas fuir en T18, sinon le capturer. Donc, il répond comme ça. Atari. Il va répondre ici. Bon, laissez-moi jouer, par contre. Tac, 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 tac. Atari, comme on dit. Du coup, il répond. Et là, tout ce pâté-là n'a plus que 2 libertés. Atari. Et blanc n'a plus nulle part où aller. Tac. Tac. Et là, c'est dramatique. Donc, dès qu'on joue ce coup, en fait, il n'y a plus grand-chose à faire pour blanc. Ah oui, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. 1 à 2 heures de Tsumego par jour. Oh là là. Moi, j'en fais jamais. Je fais jamais de Tsumego et je me suis fait réprimander. Je me suis fait engueuler. Il faut que j'en fasse. En fait, je pense que. C'est un des points qui manque énormément à mon jeu. J'ai un jeu assez
Stable, je pense, mais je manque de jugeote sur certains jugements. Et faire pas mal de Tsumego va m'aider à bien monter d'un coup, je pense. Si je veux progresser, c'est cette voie-là, quoi. Comme beaucoup de joueurs de Go, hein, je pense, mais. Et les Tsumego de Tsumego Pro, évidemment, tous les jours aussi. Ah ouais, t'es motivé, hein, t'es plus motivé que moi. Moi, c'est vraiment, il faut que je fasse, quoi. Il faut que je prenne l'habitude. Là, je me force, mais c'est bien, hein, j'aime bien. Mais il faut que je me force, quoi, vraiment à le faire. Allumer la lumière. Désolé si j'ai pété les yeux de certains. Ouais, ça fait une couleur jaune un peu bizarre, mais bon. Je suis beaucoup plus nul que toi. Oui, mais bon, du coup, tu vas progresser beaucoup plus rapidement que moi si tu en fais plus. Indéniablement. Celui-là, ça a été, t'as bien compris? Du coup? En fait, c'est un coup rapide pour retirer une liberté de plus. Mais c'est toujours un peu tricky. En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est un peu méchant, mais on dit les joueurs de Go ne comptent pas jusqu'à 2, parce qu'en fait, oui, souvent on est sous Tsumego, on réfléchit pas forcément à la réponse de l'adversaire. Et ça, c'est quelque chose de dur à faire. On part tout de suite sur notre scénario idéal, et on se dit ça va aller, alors que non, non, il faut. Donc là, il faut se dire, oui, mais si blanc répond là, ah mince, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et. Si blanc connecte ici, eh bien, à ce moment-là, tu peux aller là. Si blanc, à ce moment-là, décide de forcer. Attends, non. Je dis une bêtise. Tu peux aller ici, je pense. Tac. Et là, on peut plus faire grand-chose parce que tu viens là, tac, tac, tac. Ouais, ça a l'air ça. Non, ok. Après, j'ai vu que t'étais un peu décalé, Godave. Tac. Et là, blanc, s'il revient par là, il peut plus bouger non plus, donc ça a l'air ok. Pas grand-chose à faire. Je vais regarder ici. Attends. Tac. Bon, ils le disent pas s'ils connectent. Ça, quoi. T18 à l'heure d'une erreur, oui. En fait, tu connectes et t'es à 5 libertés et tu gagnes beaucoup d'espace, en fait. Il y a peu de chances que blanc puisse rajouter des libertés aussi efficacement que toi. J'attends de voir si c'est. Si c'est pas ça, j'attends la réponse de Godave au cas où. Pas envie de dire de bêtises, je leur dis sûrement, mais je vais essayer d'en dire le moins possible. Ouais, ok, c'était bien ça. Ouais, j'ai été trop vite. Ouais. Merci, merci. Ok, donc c'est bien ça. Rajouter des libertés. Alors, le suivant. Je laisse quelques secondes, comme ça vous pourrez réfléchir en même temps que moi. Ah oui, effectivement, jamais trop tard. En plus, toi, t'as un. Tu es quel niveau déjà, Godave? T'es beaucoup plus fort que moi, non? Oui, t'es beaucoup plus fort que moi de mémoire. T'es quoi, 4, 5 Dan? EGF, IGF? Bon, premier coup est un peu forcé. Normalement, je l'ai. Presque 5 Dan. Ah oui, très bien. Je suis un Q à l'échelle française.
quasiment un dan, mais presque un dan, mais pas encore. J'espère y arriver, quoi. En faisant des tsumego, notamment. En faisant des tsumego. Il faut. Alors, ici, le premier coup est presque un de coup Q avant tsumego. Ah oui, bon, c'est bon. C'est bon, le chemin est tracé. Il faut que je me force, il faut que j'en fasse. J'ai envie d'avoir un meilleur niveau, donc. Ici, le premier coup est forcé, du coup. Ouais, bien sûr. Le premier coup est un peu forcé, parce que, imaginons... j'imagine toujours un Tenuki, par exemple, au début, pour voir. Ça peut être intéressant. Les points vitaux peuvent être souvent partagés, en fait. Donc, si blanc joue ailleurs... Bon, je sais, oui. Je sais que c'est pas bien. Bon, comment on regarde. Ouais, je vais faire ça deux fois, et voilà. C'est un peu bête, mais c'est pour s'exercer. Si on joue ailleurs, on a envie de jouer par ici, pour noir, par exemple. Comme ça, il fait ses deux yeux. Donc, premier coup un peu intéressant pour blanc, ça serait d'aller là, pour empêcher que noir passe ce coup. En plus, si noir joue ailleurs, blanc pourrait venir ici. Et capturer cette pierre. Donc là, il n'y a vraiment plus d'espace, on le voit, pour faire deux yeux. Donc noir, il n'a pas envie de ça, il va aller là. C'est bien, on a chopé ce point en santé. Et ça empêche pas, ça permet pas à noir de sortir. Et ensuite, il faut réduire. Blanc en venant ici. Ouais, ça peut être un des exemples qui peut être bien, ouais, de repérer le point vital commun. De se dire, l'adversaire, comment est-ce qu'il pourrait vivre? Ok, peut-être que c'est par là que je dois fouiller pour tuer. Très souvent, ça. Le point vital partagé, ou souvent on dit, si tu vois pas ça trop, tu peux te dire aussi réduire d'abord. Par exemple, on dit le année apporte la mort. Bah là, tiens, un petit année d'ailleurs. Donc là, ouais. Tu viens là. Bien sûr, si noir recule, c'est la forme en 3. Avec déjà une pierre dedans, c'est mort. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc noir, il veut s'emparer de cette pierre pour se dire, je vais faire plus d'espace. Mais dans ce cas-là, même système que là, hein, blanc vient ici. Et noir, quand il capture, ça c'est un faux œil. Un jour, ça sera mis en Atari. Même si noir avance, ça sera mis en Atari. Et blanc peut venir là. Et la forme est morte. Donc c'est ça en fait, c'est... Ok, là il y a besoin, parce que noir peut effectivement vivre en un seul coup. Très souvent on dit, il faut réduire la zone, puis taper dans le point vital. Mais s'il y a vraiment le point vital de l'adversaire, s'il lui permet de vivre dès le premier coup... peut-être qu'il faut aller chercher par là d'abord, quoi. Et après, réduire. Voilà, voilà. Hop, suivant. Donc, c'est à noir de jouer. Donc, c'est un truc que tu peux retrouver assez souvent, ouais. Un truc que tu peux retrouver assez souvent dans pas mal de fights ou des tsumego, des je sais qui un peu foirés. Ici, je laisse deux secondes, du coup, pour essayer de que vous visualisez vous-même. Hop, hop. Ici, un petit coup par là. Tac. Pouf, pouf, et là, on peut regarder la suite. En fait, ici, c'est pour, encore une fois, comme sur le tsumego de tout à l'heure, quand on était sur le bord, là, qu'on voulait réduire les libertés rapidement. Pareil, si on y va trop gentiment en hobby, en fait, blanc, il va pouvoir fuir. Par exemple, ici, comme ça. Noir, s'il force, blanc vient là, et là, c'est une capture classique où on ne peut plus rien faire. Donc c'est un petit peu dommage. Mais cette fois, il faut être encore plus rapide que ça. Parce que là, ça non plus, ça n'a pas l'air de bien marcher. Parce que blanc peut faire Atari. Tu Atari. Et on revient à la même situation. Donc là, il faut chercher un peu plus loin. Et le Tesuji est ici. Si blanc essaie de sortir, ça a l'air d'être à peu près la seule solution. Noir bloque. Attention, blanc n'a plus que deux libertés. Blanc, s'il essaie de sortir par là, c'est Guetta, il se fait capturer. Et bien sûr, s'il va par là, c'est fini aussi.
S'il essaye d'aller plus rapidement, noir coupe, une seule liberté, pareil, c'est fini. Donc blanc, il se dit, bah, je vais capturer. Noir, mais à terrier, ça c'est une forme qu'on peut retrouver assez souvent. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis passé sur la partie de le stream de Kageyoshi, et il y avait une forme comme ça, d'ailleurs. Blanc capture, mais noir peut revenir mettre à terrier sur ces 4 pierres. Et si blanc protège, noir peut mettre à terrier ici. Blanc ne peut pas fuir, noir capture. Alors, ça fait un peu glissade du singe, mais en attaquant. Une glissade du gorille. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Ça fait un peu ça, ouais. Ça fait un peu un guetta géant. Si blanc essaie de fuir comme ça, tac, là il n'y a plus grand chose à faire, parce qu'il se fait capturer rapidement aussi. Il n'y a vraiment rien. Et on pourrait se dire, oui, mais peut-être qu'il peut capturer ça d'abord. Très bien, tac, effectivement, deux libertés, il peut attaquer en premier. Atari, capture, mince, on ne peut pas mettre en Atari. On est obligé de jouer ça d'abord, mais noir vient là, et si on met en Atari, noir capture tout de suite. Donc ça ne marche pas non plus. Donc ça a l'air d'être S14. Est-ce qu'ils nous disent autre chose? Donc ça, erreur, et ils nous disaient ça aussi, erreur. Mais là, le problème, c'est qu'on ne retire pas de liberté. Donc cette fois-ci, quand blanc vient là, on retire une liberté, Atari, on vient ici, on retire une liberté, et blanc vient là, on retire une liberté, et blanc capture. Donc attention à ça, ça peut être important de retirer très rapidement une liberté à l'adversaire. Il faut bien compter le nombre de libertés de chaque groupe au début. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au premier Tsumugo, mais pas à la suite, mais attention à ça. Tu es sur quel site? C'est sans Wechi. Hop. Tac. Tiens. Pas de soucis. Tu as une vidéo qui décrit comment ça marche un peu sur YouTube. C'est un gars de la FFG qui a fait ça. Hop. Voilà, c'est ça. Tac. Je te l'envoie. Il décrit comment utiliser l'appli, et il y a surtout aussi un petit traducteur pour l'appli, parce que sinon la traduction automatique de ne marche pas très bien. Donc c'est quoi l'extension? Elle s'appelle 101 Wechi Localizer. Donc tu auras ça aussi qui traduit 2-3 trucs en anglais, mais voilà, que tu peux quand même utiliser plus facilement quoi, qu'en mandarin. C'est un peu plus chaud, on va dire. À moins que tu parles mandarin, et là ça va. Ouais, c'est Fuchin. Mais c'est pas mal comme site quand même. Parce qu'on peut défier des personnes en course de Tsumego en quelque sorte et tout, c'est vraiment pas mal. Alors, on passe au suivant. D'ailleurs, il faut que je vérifie, ouais, le chat, la cam, tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça gêne. Donc, à noir de jouer. À pro, il faut tuer. Ouais, ça a l'air là, ça a l'air bien rendu. Mais en fait, comme des fois, ça change l'emplacement. Oh, ma caméra, par contre. La couleur, c'est horrible. Mais c'est avec la lumière jaune de l'ampoule. Mais bon, sinon, je serais dans le noir. Alors. Atari R17. C'est vrai qu'on a la pression cette fois-ci. On se dit, mince, le problème d'avant, on devait aller dans le point vital directement. Ah non, c'était les deux problèmes avant, vous devez aller dans le point vital directement. Mais là, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que si on n'y va pas, il reste toujours assez de place? Ou alors, est-ce qu'on peut juste réduire? Et effectivement, comme tu dis, a priori, juste en faisant Atari et en connectant, il y a l'air d'avoir assez de place pour tuer. Tu l'as ce genre de coup? Ce genre de coup, tu arrives à les trouver facilement. C'est encore le même raisonnement de... Mince, pardon. Tac, 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 tac. C'est encore le même genre de raisonnement de Fosaï.
Et ça, c'est un truc vraiment, je pense, je sais pas vers quel niveau c'est où ça, quand tu le piges, en vrai, tu setup bien, je pense, hein. C'est pas évident de se dire le sacrifice d'une pierre pour faire un faux œil. Déjà, le sacrifice d'une pierre, c'est chaud, en général, pour beaucoup de joueurs de Go, à tout niveau, je pense. Tu as dit que je pige en vrai les formes des yeux, faux yeux, etc. Ah, oh, c'est bien, ok, d'accord. D'accord. DQ. Et ici, même si blanc essaie de faire ça à forme en 3, si blanc essaie de grossir, on force cette forme en 3. Ou si on veut, on peut aller directement dedans. Tac, tac. Mais bon. Salut Echo, comment tu vas? Ouh, ça fait longtemps Echo que t'es pas passé, je crois. Touk. Alors, ici, il était plus simple celui-là. Mais... À qui de jouer? À Noir de jouer. Ok. Donc là, il y a, oui, le titre, hein, vous êtes bien sûr. Ce n'est pas un Tsumego à proprement parler, c'est un problème de TSUJ. Comment tu vas? Donc là, il y a une petite séquence qui peut être intéressante pour aller mieux de l'avant dans le sur le Goban. C'est un peu la marche des pierres, quoi. Pour reprendre des expressions de bouquin. Quel coup vous proposeriez ici? Au début, je disais je vais faire de Tsumego, mais en fait, c'est mieux d'échanger aussi, je trouve. C'est mieux d'échanger. Q14. Toi, tu fuis avec la pierre. Puis S14. Donc toi, tu penses à une séquence tac. Ils sont pas très gentils là, par contre. On va regarder là. Aïe. On fout de les rater au pire, c'est pas bien grave. En fait, le problème, c'est que il faut imaginer vraiment la réponse de blanc. Et quand il joue là, si tu viens ici, il va te capturer. Et en fait, là, cette forme là, les deux pierres ici, les deux pierres là, celle-là et celle-là, ça s'appelle. Quand on capture une seule pierre, c'est le Ponoki. Quand on a capture deux, c'est le dos de tortue. Et c'est une forme hyper puissante. Donc ça, en général, si tu laisses l'adversaire faire ça dans un Tsumego, à moins que tu prennes 30 pierres à côté, très souvent il va te dire c'est mauvais, même si à côté t'as réussi un truc, quoi. Tac, tac, tac. Non, il y a un petit Tsuji ici. Et ici, en fait, il faut regarder encore le nombre de libertés. Cette pierre-là, elle en a 4. Ces deux pierres-là, elles en ont 3. Et ces quatre pierres-là en ont 2. Donc, je compte pas celle-là, hein, les pierres mortes. Petit indice, du coup, c'est... Ah, si je veux chercher quelque chose, a priori, c'est peut-être vers ces pierres-là. Elles ont l'air plus faibles, plus atteignables. On peut regarder les deux possibilités, bien sûr, là, avec la souris, c'est plus facile. Mais on peut essayer d'imaginer, si je joue de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Si je joue de ce côté, qu'est-ce qui se passe? On va regarder le mauvais en premier. Si je joue ici, qu'est-ce qui se passe? On met en atterri les 4 paires. Blanc continue. Et a priori, plus grand-chose parce que même si on pousse un jour, il capture. Il n'y a plus grand-chose. A priori, blanc est connecté partout. Mince. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Oui, en soi. On avance un petit peu. On peut se dire, on fait un kéma. Pourquoi pas? Mais il y a mieux. Ici, on peut imaginer du coup, tac, tac, si on continue, en fait, blanc peut faire une gueule de tigre. Et c'est lui qui est en avance, en fait, sur ce centre. C'est lui qui pourra pousser et pousser et prendre l'ascendant. Et ça, c'est embêtant. Donc, en faisant de l'autre côté, il y a un petit problème. Effectivement, blanc est en atterri. Mais s'il sort, on pourrait se dire, ah oui, mais il y a peut-être un chichot. Non, parce qu'on peut capturer la pierre blanche. Mais s'il sort, qu'est-ce qu'on fait du coup? Si on le pousse comme ça, finalement on lui donne plus que ce qui était prévu et il y a des atterris là, donc c'est un peu embêtant. Mais s'il va de cette direction, il y a une autre possibilité toujours. C'est, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si je connecte cette pierre? Mince, blanc est déchiré ici. C'est Kema déchiré, Tobi déchiré. Et
Si blanc veut recouvrir, bah on sort tout simplement. Encore une fois, Kema déchiré. Et blanc, c'est la pagaille. Il peut rien faire. Nous, on est déjà vivant de ce côté, donc on s'en fout un peu de ce qui se passe avec cette pierre, par exemple. Là, on a complètement détruit la position de blanc. Ce qui fait que, quand on fait ce coup-là, blanc, il veut éviter ça. Donc, il vient ici. Il capture la pierre. Mais dans ce cas-là, noir peut revenir ici. Atari. Blanc protège. Il a un pâté assez dégueu, il fait son angle vide. Et là, noir, il peut prendre de l'avance en jouant par là, par exemple. Et là, on voit que là, si on compare à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Noir mène la marche vers le centre. Et en plus, il a alourdi vraiment la forme de blanc. Contrairement à tout à l'heure, où si on fait ça, là, il n'y a pas de pâté, il n'y a pas d'angle vide, c'est propre. On voit déjà deux endroits où il y aurait des yeux, voilà. Et blanc est beaucoup plus solide vers le centre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Ou d'autres coups. Je remets au début pour... Ça, c'est un truc qui peut être important. Soit sur Goban devant vous, soit dans votre esprit. Essayez de rejouer les coups. Lentement, par exemple. Voilà. Bien sûr, c'est dur à capter, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Car c'est pas vraiment un groupe à tuer. Ouais, là c'est un Tesuji. C'est un coup extraordinaire, entre guillemets, c'est la traduction, je crois. Il y a un coup qui peut vraiment te rendre la situation locale beaucoup plus intéressante pour toi. Sans changer forcément le statut des groupes. Mais en tout cas, tu te mets bien, quand même. Sacrée pédagogie. Et du coup, ouais, tac, on a vu que ça, c'était mauvais parce que déchiré, donc on a envie de connecter nos groupes, on capture. Tac, Atari. Donc ça demande un petit peu de lecture. Mais ça, c'est en faisant des Tsumugo petit à petit, toi tu vas monter dans les Tsumugo, du coup, oui. Et c'est certains trucs que tu vois souvent, même moi qui en fais pas beaucoup des Tsumugo, donc c'est vraiment que ça reste dans l'esprit, je pense. Même moi qui en fais pas beaucoup, le premier coup que j'ai imaginé, c'est ça, quoi. Donc, juste parce que tu te dis, ouais, si blanc sort, tu peux couper. Donc ça, c'est aussi l'esprit combatif, hein, je pense. Tu peux te dire, ouais, je peux couper. Et s'il sort pas, ben, t'as gagné cette pierre, en fait. De toute façon, cette pierre-là, il était condamné. Donc bon. Ouais, mais le déchirement est pas si grave, car les trois pierres de noir sont ultra faibles. Non. Attends, tac, tac, tac. Ça, tu te dis, c'est ultra faible ? En fait, le problème ici, c'est que noir a un groupe faible, mais blanc 2. Donc ça devrait aller. Quand t'as 3 groupes qui fuient, blanc, noir, blanc, imaginons même quand t'as une position juste... Très souvent dans une partie, t'auras une position où t'as noir, blanc, noir, et blanc fuit. Ça, par exemple, des coups sur la troisième ligne, là où il y a eu une invasion. Ça arrive très souvent, ça. Bah en fait, le problème, c'est que si noir, il veut fuir et sauter d'un côté aussi, par imaginons tous les groupes sont un peu faibles, c'est le gros bordel, noir, il peut pas jouer des deux côtés. Mais blanc, il peut continuer. Et là, noir, il fait quoi? Il continue un coup de ce côté, mais celle-là, elle est complètement laissée à l'abandon. Donc, quand t'es tout seul, faible au milieu... Ben, c'est pas cette séquence, réflexe. Quand t'es tout seul, faible au milieu, mais que l'adversaire a deux groupes faibles, ça va. Ça va, parce que blanc ne pourra pas rajouter un coup de chaque côté à la fois. Donc ça devrait aller. Si blanc force, noir peut aller là. Mince. Là, si on réagit pas, on risque de nous perdre ici. Donc mince, on a envie d'aller par là. Mais alors noir vient par ici. Et là maintenant, ah mince, on fait quoi avec ça? Ah, c'est vraiment compliqué. Voilà, on va gagner la force facilement. Et on va pouvoir mettre la pression très facilement de l'autre côté. On pourrait même imaginer des coups comme ça. Ça, c'est un peu plus pointu qui force ce genre de séquence. Et si on revient là, on vient par là, on gagne de la force, et peut-être que l'adversaire va vivre des deux côtés. Mais l'objectif, c'est de gagner de la force. Voilà. Bon, c'est un peu grossier ce que je dis là, mais c'est pour montrer l'utilité, quoi. Je n'utilise pas du tout leur site comme c'est censé être utilisé. Parce que je vais descendre en classement, ouais, parce que j'ai faux tous les trucs, du coup. Ouais, peut-être que je les résolve, et après, on regarde. Allez, problème suivant. C'est à noir de jouer. Là, pour le coup, il faut tuer.
Oh non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas grave. C'est un jeu. Donc là, noir joue et... Est-ce que ça tue? Parce que aussi, quand tu décrètes le statut, il faut dire noir tue, noir ne tue pas. Est-ce que blanc vit? Même si noir joue en premier. Est-ce que c'est co? Co à l'avantage de qui? Est-ce que c'est qui? T'as trouvé? Ok. R18. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme réponse à R18? Connexion R17. Et du coup, tu ferais quoi? Après avec Noir? J'essaie de forcer mentalement, ouais. N'hésite pas à un fuck aussi. R19. Donc R18, en tout cas, tous les deux, c'est bien ça. C'est le bon coup. R17. Le problème avec R19, c'est qu'il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi j'imagine un truc, mais non, en fait. J'aurais réfléchi à un autre coup qui marchait. Mais en fait, les deux marchent. Ok. Le mien était plus compliqué, je faisais un coup. Mais non, oui, tout simplement. J'avais pas vu qu'il y avait aussi peu de liberté. Effectivement. Je sais pas pourquoi je voulais faire un coup. C'est idiot. Parfait. Parfait, parfait, bien joué. Si blanc vient ici, bien sûr, noir connecte. Donc ça, c'est parfait. Et bon, on va faire try. Et si blanc essaie de résister, certes, ça fait Atari, mais capture. Il fait au moins 4. Et ça, c'est dramatique. Dramatique. Bien joué à vous deux. C'est niveau 7Q+. Ok. Ok. Alors là, c'est un CBI. Course aux libertés. Je suis 7Q. GG. GG. Là, il est 6Q celui-là. Allez. Bonsoir, non. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous laisse écrire tous les deux si vous voulez votre suggestion. Soit le premier coup, soit si vous voulez, vous écrivez les deux, trois coups. Je prendrai le premier coup noir, deuxième coup blanc, troisième coup noir. Ok, donc vous avez proposé R14 et P13. Donc je vais mettre la bonne réponse parce que, bon, ouais, en fait, pour avancer sur le truc. Mais malheureusement, c'est aucun des deux. En fait, ici, il faut chercher le plus de liberté possible. J'ai l'impression. Il faut jouer là. Pour pouvoir jouer ici. Et là, blanc ne peut plus rien faire. S'il répond ici, noir capture. Si blanc répond ici, noir capture. Donc là, blanc ne peut plus bouger. Et par contre, noir pourra bouger en capturant. Je vous remonte bien. Tac. Si blanc vient là. Tac. Donc blanc ne peut pas bouger. Hein. S'il va là, capturer. S'il va là, capturer, bien sûr. Et s'il joue ailleurs en se disant, ah, c'est peut-être c'est qui? Non, noir, il peut capturer ça. Donc c'est bon pour noir. Je vais regarder vos propositions. En fait, ici, R14, fuck. Blanc peut revenir là. Il a deux libertés et ça met en Atari tes pierres. Donc ici, attention.
il faut faire attention au nombre de libertés. Après, regarde, ce groupe-là, blanc, en a une, deux, trois, et ton groupe n'en a déjà plus que deux. Et toi, peut-être un peu plus difficile à cerner le P13 Bushi, mais en fait, ici, blanc, il ne pourra pas te sous-sauver, effectivement, il va devoir sacrifier cette pierre-là. Mais il peut venir ici, en Q14. Et ça, c'est sympa. Parce que si noir résiste, qu'est-ce qui se passe? Il se met en auto-atterri. Blanc capture tout. Donc noir ne peut pas s'autoriser ça. Connecte ici, en capturant. Et blanc peut capturer ça. Et voilà, sauver quand même une majeure partie. Ouais, il est pas évident, il est pas évident. Encore une fois, jouer sur le nombre de libertés. C'est pour ça que, ok, je me fais le plus de libertés possible. Si tu veux me toucher, que ce soit d'un côté ou l'autre, tu vas devoir à ton tour te retirer une liberté. Moi, non, j'ai joué le bon truc. Donc ouais, les libertés partagées, assez important. Surtout quand c'est pas d'œil contre pas d'œil. On aime bien garder les libertés extérieures, par exemple. Il m'a donné envie de me remettre tous mes go, ce qui n'est pas rien. Eh bé ? Ah, c'est parce que j'explique bien. Là, je rigole, tellement j'y crois pas. Oups. Alors, un noir de jouer. On va regarder ça. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Moi, j'essaie de prendre mon temps. J'essaie de prendre mon temps. T18 pour Bushi, ok. Il est pas évident celui-là, ouais. Il est pas forcément évident. Ouais, prends ton temps. On n'est pas pressé, hein. On est tranquille, n'hésitez pas à prendre votre temps, à relire. Salut Mickey, comment tu vas? On fait des tsumego là si ça t'intéresse. N'hésite pas à proposer tes coups et tout ça. Là c'est à noir de jouer. Et il doit... Oh là là, la couleur. Je vois encore. Impression, un vieux film dégueulasse. Là c'est à noir de jouer, il doit tuer. Donc toi, S19 et T18, ok. Donc c'est bien S19. Parce que blanc retire une liberté, mais noir peut faire atterri ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si blanc répond là, noir capture. Donc ça se passe bien. Ton coup en T18 peut marcher aussi. C'est seulement que ça va amener à un coup. Et du coup, tu peux tuer. Hein. Mais c'est un coup. Mais ça donne envie d'attaquer une pierre et tout. En fait, encore une fois, ici, bon, là, c'est pas, c'est, il y a quelques-uns à la suite, mais c'est pas toujours ça. Hein. Encore une fois, c'est penser à laisser liberté. Et penser aux libertés de l'adversaire aussi. Hop. Ici, quand je joue là, en fait, même si blanc met atterri de ce côté, retire une liberté de ce côté. Noir met atterri. Et blanc s'y protège, fait capture en gros. Donc là, ici, il manque des positions importantes. En fait, on voit surtout que ce qui peut embêter les pierres noires, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut réfléchir, c'est ça sera un coup par là. Ça, ça a l'air embêtant. Parce que noir est obligé de jouer T18, sinon blanc pourra se faire un œil ici. Donc ça, ça a l'air d'être un point important. Très souvent, dans les tsumego de coins comme ça, les points 1-2, celui-là ou celui-là, c'est souvent la vie, la mort, ouais. Vous le verrez assez souvent. Il y a souvent des petites tesuji qui font vivre.
dans ces positions-là quand on venait vraiment dans la galère. Alors, j'ai de nouveaux messages. Salut Goshi, comment tu vas? Comment ça va? Regarde si j'ai raté personne d'autre. Salut Fed. Coco Lastico. Est-ce que Blonde veut, Noir le veut, et inversement dans Tsugo? Assez souvent, oui. Les points vitaux sont partagés, les bons coups sont partagés très souvent. Et ça, c'est même pas que pour les Tsumego, hein, quand des fois dans des parties, tu sais pas quoi jouer, t'es vraiment, il y a un statu quo, c'est vraiment, il n'y a pas de coup qui domine et tout. Tu peux aussi te demander où est-ce que mon adversaire, dans quelle zone il aimerait jouer. Et si j'y joue, au moins ça aura le mérite de le faire chier. Des fois, ça marche. Donc ouais, c'est un peu partout. T'as raté le GC. Ouais, là, j'y suis pas. J'y serai pas. Ouais, c'est pas fini. Hein. Là, je retourne à Brest ce week-end. Mais la semaine prochaine, je vais demander si j'ai le droit de commenter, si c'est possible de commenter quelques parties. Ou en tout cas, les observer et d'en discuter entre nous. Ça peut être sympa. S'il y en a qui sont pas le GC, on peut regarder ça ensemble, tranquillement. Ça peut être sympa. Il faut vraiment que j'envoie ce message. Chaque fois, je dis je vais demander. Ça n'a pas commencé. Et voilà, je me disais, mais c'est pas... C'est semaine pro et celle d'après, non? Heureusement qu'il n'y a pas un temps, hein, parce que là, on aurait perdu à chaque fois. Donc, à noir de tuer. Comment on fait? Donc celui-ci, c'est 6Q, donc c'est ton niveau phoque. Pour toi, mince. Ah, je vais l'avoir ton pseudo. Bushi. Bushi? Bushi peut-être. Il est peut-être un... Il est pas évident, il est... C'est dur de trouver le premier coup. Bushai. Bushai, ok. K10, ok. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou vous validez K10? Et la musique est finie déjà. Tu peux faire la suite, mais oui, non, oui, mais n'hésite pas. Hein. Si tu as tout la suite, tu peux l'écrire. Hein. Il n'y a aucun souci. Oui, car en haut, c'est faux œil. Alors, ça peut, oui. Il faut trouver de quelle manière. Il faut trouver de quelle manière. M9 puis K10. M9. Si blanc mange les deux pierres, M9 pour noir. Effectivement. Si on joue K10, après on peut aller en M9. Et venir là. Donc ça c'est bien vu. Effectivement, tac, quand on vient ici, blanc ne peut pas protéger là. Parce qu'il se met en auto-attaque. Donc, il est obligé de capturer cette pierre et ensuite faux œil, comme tu dis, bouchier. Bushi off. Tac, tac, tac. Et en commençant par là, qu'est-ce qui se passe? Blanc ne peut pas aller là. S'il capture la pierre. Ouf. Ok, on retire l'œil ici. Le blanc capture là. Mince. Et si on joue ici. Mince, cette fois-ci, il peut aller là. Donc en fait, l'idée est bonne du M9 Mickey. Mais tu dois d'abord en fait jouer ici. Pourquoi? Parce que blanc se retire, en fait, il capture ces pierres-là, mais dans la zone, il se retire une liberté en quelque sorte. Et du coup, ici, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements. Il faut provoquer la situation avant. Pas évident à voir. Hein, je sais pas quel niveau tu es maintenant, Mickey, d'ailleurs. Parce que t'as peut-être progressé un petit peu, d'ailleurs.
Mais non, dans l'autre sens, ça ne marche pas, malheureusement. 12 Q, ok, d'accord. Ah oui, t'as bien progressé. Ouf. Pas trop joué, ok. On reprendra tranquillement à l'entrée des commentaires et tout, si vous voulez. Même cet été, hein, mais je suis moins dispo, mais tu peux toujours envoyer sur le Discord et on commentera ça quand je streamerai. D'ailleurs, là, je vais streamer, j'en profite, mercredi soir et pas jeudi soir, parce que je pars ce week-end, enfin, j'ai le week-end à Brest. Donc, ouais, on décale à mercredi, le mercredi soir, le stream. Mais ce sera sûrement des tsumego, des petits commentaires, des trucs genre. Ah, c'est chouette, ça. C'est bien que t'aies pu jouer en réel. Ça, c'est cool. Je mène le ventilo un peu, il fait chaud. J'espère que ça va pas faire de bruit. Oh oui, non. Alors, à noir de jouer. R19. Très bien. C'est vrai que j'ai cru juste ça pour mettre en épinglé s'il y a des gens qui arrivent. Ouf. Voilà. Donc R19. Ok, R19. R19, effectivement, c'est la bonne réponse. Si on joue là, et que blanc capture, on peut s'avancer ici. Et là, même si c'est deux libertés, il n'y a que un seul œil. Un gros œil, certes, mais qu'un seul. En fait, le problème ici, c'est quand on joue là, si blanc protège ici, ah, d'un seul coup, on peut connecter. Et ça, qu'est-ce que c'est là, un 3 en face de R19 et R18? C'est la... j'aurais dit n'importe quoi. P19 et P18, je le vois à peine, en fait. C'est la connexion bambou. Si blanc joue là, on joue là. Si blanc joue là, bon... Là, ça n'a aucun sens, mais soit. On joue là. Donc, on est connecté. J'avais pas vu la potarie si blanc Q19. Ouais. Normal. Des fois, c'est dur. Quand tu imagines ces 4 coups, 5 coups plus loin, c'est assez dur quand il y a des atterris, tout ça. C'est assez dur d'imaginer. Quand il y a une capture de pierre et que tu dois continuer en prenant en compte ça et que tu dois continuer ta lecture, c'est assez chaud, ouais. Alors, il y avait quoi d'autre? Il y avait Q18, du coup, tu disais. Q18 directement. Ah oui, d'accord, je vois. Il y avait quoi d'autre? Ça m'a l'air pas mal, oui, car il... S'il prend, tu empêches l'œil en S9. Exactement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et avec ça, en fait, bah en haut, tu peux faire un œil, mais tu auras beau chercher, il n'y aura pas de... Là, blanc, il ne bouge plus, en fait. Je pense que blanc, il touche plus du tout à ça. Encore une fois, comme je disais, la partie, elle est longue, c'est surtout le goban. Si t'as un co un jour, ça peut faire une belle menace de co. Donc il vaut mieux, au lieu de s'acharner et d'à la fin faire... Effectivement, j'avais eu à peu près ça, mais zut, ça marche pas, effectivement. Ça, souvent, on a envie de jouer à la séquence jusqu'au bout. À poser, tranquille, soit la souris, soit lâcher la pierre du pot, et se dire, bon, tant pis, on regarde ailleurs, ça c'est fait. Si la partie... Si on a fait ça dans quatre coins, bah, c'est compliqué, mais si voilà, il y a une grosse erreur comme ça, la partie est longue, l'adversaire n'est pas exempt d'erreur non plus, donc on peut continuer à jouer et on verra. On verra, la situation peut changer autour, etc. Je fais déjà des tsumego un par jour, mais souvent beaucoup plus dur que cela. Ouais, je comprends. Ah, ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont pas évidents non plus. Et il faut revoir des bases. Il y a des snapbacks, il y a un peu de tout, c'est cool. Sans que ce soit des trucs... Parce que en fait, moi, quand on va arriver en Dan, bah, je vais me foirer. Hein. Déjà, là, je peux me foirer aussi bien. Hein.
Un noir. Qu'est-ce qu'on veut ici? A priori, vu la position de blanc, on est tous d'accord, on veut vivre. A priori, c'est ça. Donc, quel coup pour vivre? Celui-là, il ment. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec noir ici? Prenez votre temps si vous voulez prendre votre temps. Celui-ci est CQ. Eh oui, il n'est pas intuitif. Il est bien celui-là. Oui, il est bien. Il est bien, il est bien. Dur à savoir la réponse de blanc. Ouais, il y a ça aussi. C'est pour ça que je dis prenez votre temps, parce que là, c'est pas. Il n'est pas évident, je conçois. Donc on est là tranquille, on est pas pressé. Enfin, je sais pas pour vous. On est tranquille. Moi, ça me gêne pas de juste qu'on voit ça tous ensemble tranquillement. Si je vous montre juste la réponse, bon, c'est cool, voilà, il nous a montré la réponse, mais on n'a pas eu ce temps de réflexion. S14, je crois. T18. Comme on a vu dans les Tsumego précédents, quand on veut vivre, il n'y avait pas eu beaucoup, mais je vous disais, soit on a le temps et on veut augmenter l'espace vital, c'est comme quand on veut tuer, soit on n'a pas le temps, il faut jouer dans l'espace vital et ensuite réduire, mais la plupart du temps on réduit puis on joue dans l'espace vital. Là, c'est pareil le raisonnement quand on se défend. C'est si j'ai un peu de temps, autant agrandir l'espace vital pour vraiment donner le plus de potentiel possible et ensuite on joue au point vital si besoin, parce que c'est pas toujours nécessaire. Et si ça c'est un peu ric-rac, on joue dans le point vital tout de suite. Donc là, il faut regarder est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre. Comment on met les spoilers? Ouais, je crois que sur Discordia, mais ça je me demande si sur. Je vais regarder, tiens, je vais regarder vite fait. Hop. Chat. Twitch. Spoiler. Spoiler commande. Si, si. Slash spoiler. Tout attaché. Donc, ouais. Et ils mettent commande non reconnue. Super. Bref, pareil vous. Bon bah c'est un vieux truc alors que j'ai trouvé. Ah là là. Ouais pourtant. Bon, 17 décembre 2016. Ouais non, je trouve que je vois pas. Désolé. Je rechercherai pour la prochaine fois si ça existe. Bien vu, Goshi. Bah, effectivement, là, tu sors des trucs bizarres. Non, avec étoile, par exemple. Bah, non, non, bah, non. C'est juste une commande, en fait, et tous les commandes. Non, je sais pas. C'est pas grave. Donc, T16 pour toi, Fock. T16 pour toi, Goshi. D'accord. Là, faut agrandir, tu dis Mickey. Donc toi, Mickey, t'es plus de la team agrandir. Donc pour agrandir, tout à l'heure tu disais 18. Très souvent, on va essayer d'agrandir pour maximiser l'espace. Donc on va jouer plutôt sur la deuxième ligne. Et si t'étais en troisième, tu jouerais plutôt sur la troisième. Donc ici, c'est toi, t'es plutôt sur du S18 ou du S14. Voire du R15 pour voilà, fermer ton territoire. Ah, il faut bien réfléchir. Je vais vous le donner, sauf si peut-être que tu es encore en train de réfléchir un petit peu, Bushi.
Tu travailles à 18, d'accord. Allez, on va le donner du coup. La bonne réponse est roulement de tambour T16. Effectivement. Et si blanc vient de ce côté, vous pouvez venir ici. Et blanc essaie de réduire, vous pouvez le. En fait, là, malheureusement, si on essaye d'agrandir l'espace, ça va être un peu short. Parce que blanc pourra aller là et on va sûrement manquer d'espace rapidement. Là, si ça se passe comme ça, on pourrait se dire, ouais, mais c'est qui? Parce que blanc, il ne peut plus aller là et plus aller là. Ouais, mais un jour, blanc pourra mettre à terre ici. Et noir répond, et là, un jour, blanc pourra forcer. Non, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi. Pourra forcer l'atterri comme ça. Et noir va capturer et forme en 3. Bon, il faut voir tout ça, bien sûr, mais le plus important, c'est de te dire, un jour, blanc pourra forcer l'atterri. Et du coup, ce n'est pas un sec. Donc ce point-là est très important. Là, il est plus dur à voir, bien sûr. Mais noir, quand il le joue, finalement, il se garantit un œil ici. Voilà, il se garantit un œil là. Et il estime, à juste titre, que si blanc vient là, il va pouvoir faire un œil ici. Et si blanc vient là, il va pouvoir faire un œil ici. Donc c'est deux points qu'on appelle des points mi-high équivalents. Donc ça peut être dans les sumego comme tu t'étends sur un bord, moi sur un autre, c'est deux points équivalents, c'est un partage, voilà. Voilà, c'est tu prends un côté, je prends l'autre, tu prends l'autre, je prends un autre. S18, je voyais quoi. On peut regarder, hein, explore. Peut-être que ça peut vivre avec S18, j'ai dit bêtise. De l'autre côté, ça marche pas, mais ici, tac, tac. Ok, on revient tout de suite, ok. Ah oui, parce que. J'ai montré de l'autre côté l'exemple, mais tac, mais là tu peux aller là. Et là oui, il semblait. Ici, tu peux plus connecter cette pierre. Et si tu essaies d'aller là, tu vis aussi. Ok, my bad. Donc S18 marchait aussi. Donc vous avez tous raison. My bad. Je dis des bêtises, vous voyez. En fait, j'ai lu ça au début. Et du coup, dans mon esprit, ok, c'est ça. Ça, c'est ça peut être une erreur aussi. Ça peut être une erreur aussi parce que bah, c'est pas une erreur, mais c'est un mauvais réflexe, on va dire. Il faut essayer de lire toutes les possibilités et toutes les réponses de l'adversaire. Je croyais que c'était un cause d'adversation, je l'avais mal lu. Ouais, bah, dans l'esprit, c'est pas facile. Tac. Moi, je l'avais même pas lu en fait parce que j'étais focus sur celui-là. Ouais, et du coup, blanc l'empêche hein, parce que ça, c'est beaucoup trop gros. Et ensuite, noir peut revenir, mais en fait, ça revient au même. Mais pourquoi pas? Hop, problème suivant. Oula, les pierres qui sont un peu moches ici. Cache ça 2 secondes, comme ça c'est un peu plus grand pour vous. Est-ce que ça peut aider un peu? Non, pas vraiment. J'essaie de regarder si ma cam, je pouvais arranger, mais non. Tant pis. C'est vraiment moche ma caméra, hein, désolé. Voilà. J'essaierai de régler ça plus tard, désolé. Je vais retirer ma cape, ce sera plus simple. Hop, parce que c'est vraiment moche. Est-ce que vous l'avez ici? À part Gauchy. Parce
Parce que là, Gauchy, oui, c'est sûr, tu l'as. C'est un coup qu'on peut retrouver assez régulièrement. Dans vos parties, vous pourrez retrouver ça assez régulièrement, ouais. Il y a deux chats, mais je vais le déplacer. Mettre ça là, justement. Comme ça, on peut l'agrandir un peu. Oui, souvent on joue ça, on est. En fait, on voit un coup qui ressemble et on se dit, ah bah il est là, on y va. Alors que. On n'a même pas vérifié si ça marche pas. Ouais, t'inquiète, hein, fuck. T'inquiète. Ah, j'avais pas vu, GG, fuck, hein. Série de 25 visionnages. Eh ben, toujours là. N14. Très bien, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont une proposition? On va regarder ça du coup. Alors, N14 est la bonne réponse, oui. Quand tu joues ici, en fait, ça menace de venir en 2 toi-même et de prendre la pierre. Donc, ici, blanc, il répond là. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais recouvrir ici et venir là. Certes, on est mis en Atari, mais on résiste. On résiste. On met un Atari et on vient là. La question, Fock, c'est est-ce que tu avais un petit truc qui peut être piège, mais peut-être qu'à cette queue, toi, ça va. Est-ce que tu avais bien capté la suite à cause de cet Atari? J'avais même pas tout lu. Voilà, classique. C'est un truc que t'aurais... Ah bah voilà. Par exemple, Gauchy, lui... Dans sa partie, il aurait fait bah, « ça marche ». Et là, il aurait été là. Et je pense que pendant 2 secondes, il aurait stressé en mode « merde ». Oh merde, il y a la taille. Ah, c'est pas possible. Exactement. Et tu l'aurais continué par fierté. Et quand ça aurait marché, t'aurais dit « non mais je savais ». T'avais tout lu, fuck. GG. GG, GG. C'est pour ça que t'as pris ton temps, c'est bien. Un bon réflexe. Mais tout à l'heure, oui, voilà. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. Mais je crois qu'il est parti, Boucher. Mais ça extend ça. Des fois, quand tu... Quand c'est dans ton esprit, c'est tellement dur. Quand ça fait une heure, tu es dans ta partie et tout, et que t'as une capture qui fait un autre Atari derrière et continue à lire à côté. Alors, parfois, c'est un enfer, quand même. Des fois, c'est très clair, tu sais pas pourquoi, et des fois, pff, t'arrives pas. C'est impossible à lire. Alors, ici. Ah. Alors, endgame, reverse play, 4 points. Il va devoir de jouer. Bon. Je sais pas si c'est vraiment CQ, mais... C'est Yose. Tu dois... Yose ou Yose d'ailleurs? Yose? Ouais. Tu dois jouer le meilleur coup de Yose.
Bon, je pense que Gauchy l'a facilement, mais Fox, toi, tu jouerais quoi là? Là, ce qu'il faut avec ce genre de truc, c'est instinctivement direct, tu joues quoi? Ok. Et qu'est-ce que vous dites après? E1, mais est-ce que F1 marche? Ah. Si tu joues F1 avec noir, que répond blanc? C'est ça. En fait, le problème, si tu joues F1, blanc va descendre lui-même en E1. Et là, ta pierre, elle se retrouve avec deux libertés. Alors que blanc en a trois. Une en E5, une en F2 et une en D1. Donc, ça marche pas. Effectivement, il faut juste aller là. Pourquoi 4 points? Parce que toi, tu vas enlever 2 points comme ça, mais si lui. Non, 1 point comme ça, tac, tac, tac. Mais si lui, il avait joué, tu perds ce point, tac, il se fait son point là, et tu dois répondre, donc tu perds un troisième point. Un point si c'est toi qui joues, plus 3 points si c'est lui qui joue, ça a une valeur de 4 points ici. C'est surtout ça en fait qu'il faut retenir. Plus que la difficulté est assez. Bon, on s'attend à un piège en fait, c'est ça le truc. Je dirais même que ça vaut peut-être 5 points avec l'atari ici en fait. Non? Parce que. Bah si, c'est 5 points en fait. Parce que quand tu fais atari ici, ça force la capture. C'est surtout en fait calculer. Par exemple, quand vous avez plusieurs centés, lequel donne le plus de points? Et là, pour ça, la meilleure chose pour réviser, ça va être. Je vais vous envoyer ça. Je dois avoir ça quelque part. Voilà, oui. Tenez, ça va beaucoup vous aider. C'est François Misessin, Misessine, je ne sais pas comment on dit, qui vous catalogue Go de manière assez complète quand même. Tous les yossés. Quelle valeur ça a et tout, et comme ça, si ça vous apprenez par cœur, par exemple, bon, faut être motivé, hein, mais vous pourrez jauger en fin de partie, en un clin d'œil, ok, il faut que je joue par là, faut que je joue par là. Et ça, il y a des parties, bah, j'ai joué contre lui en tournoi et tout, et j'ai pris une avance au début de partie, et il a grignoté, j'ai perdu la fin de partie, il est extrêmement fort, mieux c'est la. Beaucoup de technicité, quoi. Quand il y a des fractions, j'abandonne. Ouais. Oui, bah oui, je comprends. Après, c'est la théorie qu'il faut comprendre aussi. Déjà, de base. Et ensuite, oui, tu peux être en gros nerd, tu peux apprendre toutes les valeurs. Ouais, c'est pas mon point fort, mais c'est pas mon point faible non plus. Je pense, Yosef, je suis une. J'allais dire normal, je suis moyen. Mon point faible, c'est, je dirais, les Tsumego, peut-être, du coup, maintenant. Au vu de mon niveau, je pense je devrais être meilleur en Tsumego que par rapport au niveau, en fait, je pense. Dernièrement, je me suis un peu amélioré en direction de jeu, ce qui était vraiment mon point faible. J'essaye de m'améliorer en ça. Parce que moi j'aime bien quand c'est un truc à apprendre par cœur, direction de jeu, il y a une subtilité, il y a. Faut le sentir un peu, je trouve, des fois. Yosep, ouais. Hop.
Allez, on passe au suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, tu me mets la misère en direction de jeu. Ah. Alors, un or de jouer. Ah bah, encore un problème de IOC. Super. Et comme je suis pas plus fort que toi en lecture, je peux pas t'arnaquer. En lecture, ça a été mon point fort pendant très longtemps. Je sais pas maintenant, mais c'est ça qui est con. Hein. C'est en Tsumego précisément, bof, mais en lecture rapide, vraiment, voilà. En fait, c'est ça, je m'entraîne pas au Tsumego, c'est pour ça que je peux pas progresser. Mais j'ai fait pendant des mois et des mois, quand j'ai commencé le Go, c'était que des blitz et tout. Ça a développé un sens du combat assez développé. Et des fois, j'ai des trucs et je vois des deux ou trois dan à côté qui sont là. Ah, je l'avais pas encore lu ou un truc genre, je suis là, ok. Par contre, tout le terreau, il me défonce, quoi. Mais c'est bien d'avoir un point fort, mais voilà, il faut travailler les autres trucs, quoi. Après, il y en a qui ont une autre théorie, ils disent non, c'est un point fort, tu peux aussi bosser à mort dessus pour que ça soit quelque chose qui soit tellement un point fort que c'est pas grave le reste, tu bats tes adversaires juste avec ça. Mais moi, j'aimerais bien avoir plus d'équilibre. Alors, moi, clairement, direction de jeu, mais j'attaque l'usage de la force. Ah, super, il est très bien sûr. Noir joue pour le meilleur coup de Dieu, c'est exactement. C'est ça que vous devez trouver là. Qu'est-ce que c'est le meilleur coup de Dieu, c'est pour vous? Donc effectivement, vous avez envie de jouer le plus grand truc possible, par exemple. Il faut aussi réfléchir à est-ce que je suis senté, est-ce que je suis goûté? Ah, c'est pas forcément clair, hein. C'est CQ, mais est-ce que tu dois avoir le plus de points et finir goté ou être sente? Moi j'aime bien être sente, je vous avoue. Donc, si on joue, donc effectivement c'est la glissade de Mickey, il y a la petite glissade du singe, donc c'est celle en forme de Kema comme ça, et celle en forme d'Ogema, c'est la grande glissade du singe. Celle-ci, là, elle est gotée. Ça dépend beaucoup du plateau, en fait, oui. Donc, vous avez dit E19, on va jouer E19. Moi, je sais pas, peut-être c'est P19, je ne sais pas, franchement. Moi, j'aurais joué P19. Mais peut-être que c'est E19, on va le jouer. Ok, c'est très bien. Explore, d'accord. Donc, il prenait en compte ce plus gros. Très bien, super. Il montre même pas la suite, rien, c'est... Parce que je vous montre du coup, si on joue P19, noir tape dessus, blanc tape dessus, pardon. Et si on recule, tac, on est senté, super. Si on joue ici, blanc tape dessus, tac, tac. Et là, on doit rajouter un coup, donc voilà. Voilà, là, on est goté. Mais on a enlevé plus de points, effectivement. Dans un Tsumego, tu prends le plus gros. Ok. C'est pas bête. On essaie de se dire, c'est la fin de partie, par exemple. Ok. On passe au sur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah mince, pardon. Pourquoi rajouter un coup? On peut couper. Oui, l'adversaire pouvait refaire Atari par derrière et reprendre tes pierres, les pousser vers ton groupe. Excuse-moi, j'ai été vite. Qu'est-ce qui peut se passer ici? Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Il y a des Atari possibles dans tous les sens. Est-ce que un de ces Atari est bon? Est-ce que c'est un autre coup qu'il faudrait faire? Est-ce que ça tue? Est-ce que c'est Seki? Ko?
Toi, tu proposes R18. C'est qui avec R18, puis R19? Je me rappelle d'un stream. Alors oui, mais est-ce... quelle est la fin de ma phrase quand je le dis en général? Sauf quand vous avez tout lu et que ça marche. Voilà, c'est... on oublie le proverbe si vous avez vraiment tout lu et que vous êtes sûr à 100%, voilà. C'est insolvable, c'est ça. Tomego, impossible. Q17 pour blanc, R19 pour noir. Q17. Merci pour le raid, Crow. Bienvenue à toi. On fait des Tsumego. Si t'es pas trop fatigué. La bonne réponse, c'était effectivement ton premier instinct, fuck. R18. Yippee-kay. Merci beaucoup pour l'abonnement, Crow. D'ailleurs, attention, les abonnements sont retournés à partir de ce mois-ci. À 5 euros, ils avaient baissé à 4 il y a un an. Ils s'est repassé à 5. Donc attention à ça. Si... c'est très gentil, hein, mais attention à vos petits sous. Hop, et effectivement, comme disait Mickey, en descendant. Ah, moi j'ai lu comme toi. Bah oui, c'est qui? Ah non, on peut faire ça. Non. What? C'est mauvais? Ah bah j'ai faux aussi. Bah je t'avoue, Mickey, j'ai lu ça et je me suis dit, ça a l'air suffisant. Voilà, une erreur. 5 balles, mes enfants mangeront des pâtes. Ah, t'es comme... on a un ministre qui avait dit ça aussi. Mais moi aussi, c'est la crise. Mes enfants mangent des pâtes, je sais plus. C'était... mince, le maire, je crois. Ouais, pareil, quoi. Je croyais aussi en une... mais c'est, voilà, ça, c'est mon gros défaut, c'est... je le dis souvent en partie aussi, à chaque fois je suis là, je lis une séquence. Je vois le résultat et je fais, ok, du coup c'est ça. Ben non, elle lit d'autres choses. Ah mais on a tous mal lu. Et sauf que ça, ça marche pas pour moi. Parce que blanc, il vient là. Si on capture... oh mais non, j'ai mal lu. Oh là là, il capture. C'est en mode, il y a deux yeux. Gauchy, tu l'avais bien lu toi? Oui. D'où le silence en mode, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, il joue même plus au go. Non, ouais. Ouais, c'est vrai, t'es plus fort que moi. Non, mais juste avant de soumettre go, j'étais en mode, ah, allez, c'est sympa comme petite vidéo, mais c'est assez long, ça pourrait peut-être plaire à des personnes sur YouTube. Mais là, après ça, j'ai envie d'aller. Si, je la mettrai sûrement sur YouTube. Il y en a qui ont eu la foi et le courage vraiment d'arriver jusque-là sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, hop, le petit pouce, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Je fais ma petite promo. Là. Quelle honte. J'arrive à peine et j'ai envie de l'engueuler. Ouais, mais je fais la merde. Salut YouTube. Ouais. En vrai, là, 1h40, je ne sais pas s'ils seront très nombreux à regarder ça jusque-là, mais en vrai, je sais que les Tsumego... il y avait beaucoup moins de vues sur ces vidéos-là, bah, quand je te disais Crow, mais les quelques-uns qui avaient regardé aimaient bien, parce que on prend notre temps, on explique tout ça, ça peut correspondre à certaines personnes. Donc c'est cool. Abonne-toi, bien sûr, abonne-toi. Abonne-toi. Pour être prévenu des prochaines vidéos. Pas pour rien que je rattrape. Parce que tu joues plus? Allez, on passe au suivant. Et Crow, comment Noir joue ici? Tu as 30 secondes. Has left the lobby.
R19. Et S17. Très bien. On fait ça depuis tout à l'heure, en fait. J'attends un petit peu vos réponses en chat. Et ensuite, je vous montrerai la bonne réponse. Quand je l'ai. Le casse. Il est fort, ce crew. Il est impressionnant. Bon, Gauchy, un peu spoiler. Allez, c'est bien R19. Parce que quand blanc vient capturer cette pierre, on peut se faufiler au-dessous. Et là, blanc, il ne peut pas descendre. S'il veut forcer, il peut aller là. Ah, ça va pas me le compter faux, quand même, ce truc. Tac, 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 tac. Donc, blanc, il doit connecter là. On se faufile. Atari, certes, mais... Ah, mince, on n'a plus assez de place. Vous connaissez hein, la règle de combien de pierres vous devez avoir sur la deuxième ligne pour vivre? Je suis fort à l'impression. On joue avec Breston en commentateur, crew. C'est ça. Ici, la règle, normalement, c'est 6, c'est mort. 8, vivant. Et 7, si tu es si toujours en premier. C'est ça, exactement. Bien vu, Mickey. Très bien vu. Le S17 est tentant. Mais quand blanc vient là, a priori, 2 libertés contre 4 et 3. Même si on essaie de résister, ça a l'air compliqué. On peut pas aller là. Mince. Forme en 4 en plus. Et même, de toute manière, tac, tac, forme en 4, oui, mais il y aura aussi l'espace ici. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, voilà. Parce que j'ai la chanson Country Rock dans les oreilles, ça. Je sais en nombre de pierres, mais pas en nombre de poles ou de jack. Oh là là. Avec un S ton poles. À noir de jouer. Et noir tue. Ou pas d'ailleurs. N'essaie pas de spoiler. Je suis mauvais avec cela. Ouais, ça c'est un peu particulier, c'est vrai. Mais prends ton temps. Avec l'autre année, ah oui. Pour moi, il n'y a même pas besoin de la forme en 5. Pour moi, tu tues comme ça, direct. Ah non, pas besoin de répondre. J'ai pas tout lu. Ouais, c'est normal. Alors, Gauchy, Mickey, Fed, quelqu'un a... le Foc. Quelqu'un a une réponse? Ici. Après avoir tout lu, bien sûr. Je lis capture avec un pâté. Ouais, moi aussi, je lis capture avec un pâté. Enfin, on force. Tu dis 7 comme... Ah, pardon, Foc avait dit, excusez-moi. Ah oui, longtemps. C'est ça. C'est Q17 pour moi. Après, on n'est pas à l'abri de... Un problème. Ouais, Q17. Ouais. Atari. Et Atari. Blanc ne peut plus bouger. Petit problème. Si blanc joue ici, on le capture.
Je vois bien ce que t'imaginais, Mickey, ici. Mais si tu fais cet Atari-là, qui est tentant hein, quand tu regardes le truc, tu te dis ça va aller. Le problème, c'est que tu te fais capturer là et il y a cet emplacement qui fait chier. Parce que tu t'imagines la forme en 5, mais ça peut pas marcher s'il y a un œil à côté, effectivement. Bah oui, mais je... Quand t'es focus sur un truc, je comprends bien. Tes 16 marchaient pas, car tu savais pas mettre... ouais, tu pouvais pas, ouais, c'est ça. Ah oui, j'imagine. Dans une partie, tu y réfléchis à deux fois. Alors, ouh, ça a l'air bordélique celui-là. Alors, à noir de jouer. Et c'est un 5 d'âne professionnel qui a créé celui-là. Niveau CQ encore. Je crois que je l'ai, mais c'est bizarre un peu. Ouais, c'est ça, en fait, ça semble, ouais. Ouais, moi, c'est... Ouais, voilà. En fait, des fois, quand c'est un peu le premier coup que tu regardes, tu te dis, ah, il y a un piège. C'est pas ça. Et du coup, j'étais en train de regarder au 19, et je me dis, non, non, ça marche pas. Mais effectivement, comme vous disiez tous, a priori, P18 marche plutôt bien. Parce qu'effectivement, on sera mis en Atari derrière, mais là, ah mince, Blanc ne pouvait pas aller là. Il capture, et cette fois, on revient ici. On va le regarder un peu plus lentement. En capturant ici, on met en Atari toutes ces pierres-là. Blanc ne peut pas aller là, hein. Il ne se rajoute pas de liberté. Donc, il capture. Il attaque ses pierres, on va là. Et là, cette fois-ci, si Blanc vient ici, auto-Atari. S'il va là... Mince, non, non, attention, il est en Atari. Seule solution de résister ici, c'est de capturer cette pierre. Mais alors, Noir peut revenir là. Il y a toujours deux libertés pour Noir ici, donc il craint rien tout de suite. Blanc n'en a plus qu'une, et s'il connecte pour protéger, il n'en gagne pas non plus. Et se fait capturer en haut. Ah, tu l'avais pas? Ok. Tu regardais le... En vrai, pendant deux secondes, du coup, j'ai regardé ça, moi. Mais ça marchait pas. Je t'ai envoyé une chanson sur Discord, mais si tu veux attirer des gens, fais des Tsumego avec ça et ça va tout dépoter. J'ai peur. Putain, je suis en train de chercher c'est quoi des Discord. Ok, moi je connais le groupe donc. Oui. C'est pour ça que je perds comble, le seul, l'unique. Hop. On passe au suivant. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour Noir? Pique-pique. Celui-ci n'est pas forcément évident non plus. Ouais, je connais aussi. Celui-là, en fait, c'est inconnu, mais il n'est pas évident quand on le voit pour la première fois. Et après, on s'en rappelle, puisqu'il est particulier, en fait. S17, d'accord. Ah, re-boucher. Ouais. Ouais, l'angle vide, ça fait chier. Hein. Quand tu le fais, t'es là. Mais des fois, ça marche. Hein.
Des fois, ça marche. Je me souviens d'une partie contre un 3 d'un FMG, et j'étais là, je réfléchis pendant 15 minutes sur mon coup. Je suis là, mais je vais pas jouer ça et tout. Je joue l'angle vide, parce qu'au bout d'un moment, force est de constater que c'est le seul truc qui marche, en fait. Bah, en tout cas, qui ne fait pas foirer le truc, donc... Et là, bah, tu fais ça et l'adversaire, ah d'accord, et qui regarde, ah oui, effectivement. Et d'instinct, je dirais T16, d'accord. S17, il manque tout le temps une liberté, j'ai l'impression. Je reste sur T16, d'accord. Je crois que tout le monde a réagi. Et effectivement, la bonne réponse, c'était T16, ouais. Si blanc fait Atari, on réagit. Si blanc fait Atari, on revient là. Blanc n'a plus qu'une liberté, et nous, on en a deux. Donc, c'est OK. Crow est trop fort. En plus, il sait faire les frites. Ouais. C'est un petit peu raciste, ça, monsieur. Le S17, effectivement, il y a un petit problème de liberté. Imaginons, blanc vient de par ici. Voilà. Non, là, je fais n'importe quoi. Là, je dis n'importe quoi. Attends, comment on peut résister à ça? Ça, non? Comment tu sais? Je sais que c'est pas ça, le coup. Mais il faut prouver mon explication. Ça, je crois. Ouais, voilà. T16. Bah, voilà. Ça, par exemple, c'est le premier truc qu'il faudrait regarder. Souvent, les bons coups chez les deux joueurs sont au même endroit. Donc, voilà. Il faut regarder ça en premier. Et là, à cause de ça, noir ne peut plus rien faire. S'il vient là, tac. Et là, il peut plus faire Atari. Mais en même temps, avant, s'il vient ici, tac. Et là, ça marche pas. On joue T16, donc on a montré l'Atari là qui ne marche pas effectivement. Hein. Plus qu'une liberté alors que là il y en a deux. Mais même si blanc force comme ça, tac, effet Atari, ça reviendra un peu à la même histoire. J'ai réagi à l'information que la frite a été inventée en France, ce qui semble vrai. Ce qui est certain par contre, c'est que vous n'êtes pas foutu de cuire une frite correctement. T15 après. Alors, tac, tac, T15. Effectivement. Blanc peut aller là. Noir ne peut pas bouger ici, il peut pas bouger. Il peut venir ici. Il y a certes atterri sur cette pierre, mais blanc continue en T18. Et c'est un snapback. Je t'avoue qu'il est un peu tordu celui-là, effectivement, avec ton S17, c'est pas facile à tout identifier. C'est vrai. T16 est plus direct. Il marche plutôt bien. Oui, très souvent, point vital direct, ça nous rappelle le point vital de tout à l'heure en haut à gauche, ce qui était un peu compliqué là. Arc des T7 et les grands simplifiés. Tout à fait. On va l'appeler le crow. Hop là. Tetsuji. Donc là, c'est pas forcément tué. C'est... un bon coup. Donc là, ils disent la forme de blanc. Les formes du groupe blanc ont des problèmes.
O17, N17. Je dirais N17. Ouais. Il n'est pas évident celui-là, je trouve. Moi, je crois que c'est N17 aussi. Le problème avec O17, sans trop cliquer, quand tu joues O17, blanc peut répondre N17 lui-même, et c'est ça qui me guide vers le N17 encore plus, le bon coup étant souvent partagé, etc. Donc noir, blanc. Et noir, s'il avance et qu'il coupe, il se fait capturer. Donc noir recule et blanc connecte. Et là, on se demanderait, oui, bon, c'est quoi le Tsuji? Avec cet Atari, effectivement, on capture, mais surtout, on a coupé. Et ici, il n'y a plus de yeux. Donc en fait, oui, c'est clairement un Tsumego aussi. Hein. C'est un Tsuji Tsumego, on va dire. On crée le Tsumego. Donc ouais, ça c'est mieux. Je le montre hein, pour plus de visu. Blanc résiste. Si on coupe, Atari. Et ça marche pas très bien. Donc on est obligé de reculer. Et blanc connect. Et là, oui, effectivement, on peut se dire, maintenant, bah il n'y a rien. Le groupe n'est toujours pas vivant, hein, théoriquement, mais il n'y a pas grand-chose. Ouf. Alors, ici, qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc là, encore une fois, il faut identifier le groupe. Hein. Après, oui, c'est ces trois groupes-là qui ont un problème. Au vu du nombre de libertés. Toutes ces pierres noires là sont connectées, toutes ces pierres blanches là sont connectées. Virtuellement, hein, certes, mais un Kosumi qui a ses deux côtés libres, c'est connecté. Double gueule de tigre. Donc là, ce groupe là noir, il a une, deux, trois libertés. Ce groupe blanc, une, deux, trois. Et ce groupe blanc, une, deux, trois, quatre. Oui, le bin, c'est par là. C'est à noir de jouer. Ah oui, je comprends. Je comprends. Quand on passe point vital comme ça direct, ouais. C'est pour ça que là, c'était un Tsuji. Là, pareil, c'est un Tsuji aussi. Un coup imparable, on pourrait dire. Tu regardes R16. R16 marche. Toi, Fock, tu dis P17. Mickey dit R16 également. Ok. La bonne réponse est effectivement R16. R16 parce que si blanc résiste de ce côté, ce qui semble le plus intuitif, hein, on peut faire ceci. Ce qui ressemble un peu à un des tout premiers de Tsumego, là où tu me disais, Bushi, que c'était pas évident. C'est faire ça. Blanc capture. Et tu joues encore une fois avec les libertés de l'adversaire. Tac, tac, tac. Tu ne vas pas aller là, donc il capture. Et encore une fois, tu alourdis en fait. Ça s'appelle faire Shibori un peu. C'est un essorage. Tu serres ton adversaire. Le Shei, je sais pas, désolé. tac. Et ensuite, blanc. Et foutu. Et effectivement, ça marche de l'autre côté également. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Exactement la même histoire. Mais oui, c'est shy, oui, c'est timide, oui. Effectivement. Tac, tac, tac. Donc voilà, je pense que... Et le Q17, malheureusement, fuck, je pense
J'ai pas trop réfléchi aux réponses, mais ce qui m'a attiré tout de suite, c'est de faire la bonne forme, là, ces deux pierres-là, ces deux-là. C'est un peu la forme de Guetta sans la pierre noire. Pour résister. Si blanc descend, cette fois, a priori, on peut couper. Et en fait, on peut pas faire grand-chose. Il y a pas assez de place. Donc on résiste avec une bonne forme, on connecte toutes nos pierres et oui, c'est compliqué. Et si ça connecte, tac, tac, tac. Non, peut-être tac, tac, tac. Non, ça ne marche pas très bien parce que en fait, Atari part derrière. Hop, Atari, hop, et on revient. Un peu tordu, mais ça ne marche pas. C'est ça que je pige pas, les gars. Je suis pas mauvais en Tsumego, mais j'arrive pas jamais à tuer. Ouais, c'est des Tsumego CQ, c'est pas mal. Hein. Franchement, que vous réussissiez ça tous à peu près. Selon le point de vue. D'un à l'autre. Après, là, on en a fait beaucoup aussi. On en a fait beaucoup. Là, ça va être le dernier, on va dire. Allez. C'est le 30e aujourd'hui, c'est pas mal. Je mettrai ça sur YouTube, on verra si ça plaît ou pas. On verra. Alors, à noir de jouer, Tesuji. Ok. C'est bien, c'est un peu par thème. On a fait pas mal de Tsumego, ensuite quelques problèmes de Yose et maintenant Tesuji. À noir de jouer. En fait, les parties sur Internet sont très rapides souvent, et moi, c'est ça qui m'embête aussi. Hein. J'ai pas eu tout le même style de jeu quand je joue les parties sur plateau, et où on a plus de temps en général en tournoi que sur Internet. C'est normal aussi. N'hésite pas à trouver des adversaires qui mettent plus de temps sur la pendule aussi sur Internet. Tu vas se trouver. L14. Est-ce que tu as tout lu, Fock? L14, c'est fou. L15. D'accord. Et je cherche la suite. Donc les suites de L14 et de L15, n'hésitez pas à les lire et à donner votre verdict. J'ai l'impression que c'est toujours le même message de Wizbot qui passe. M14. Après coupe en O14. Ouais, non, ça marche pas très bien, je crois. Tu trouves que avec L15. Et toi, Fock, t'as lu des trucs? Et toi, Gauchy? Malheureusement, non. M14 n'a pas l'air de très bien marcher parce que tu pousses vers les pierres blanches.
un petit peu trop. Non, j'arrive plus, je me donne. La fatigue. Le gaucher, il est parti. Il a abandonné. Ah non, il est encore là. Salut à toi, Shenblood, comment tu vas? On fait des Tsumego depuis tout à l'heure, là. Ça fait plus de 2 heures qu'on est sur des Tsumego. Et en vrai, pour. On en fait pas. Bah, on n'est pas forcément les plus assidus en Tsumego, bah, c'est fatigant. C'est fatigant. Quand je pense, ouais, bah, là, tout à l'heure, il y avait Godave qui était là. Et il a fait 12 heures de Tsumego hier. 7h30, 19h30, je crois. Oh là là. Enfin, à notre heure, en tout cas. Quel courage ou folie, selon les points de vue. L13. L13, ah ouais. Ouais, 12 heures, ouais, il est fou. T'imagines, là, je dois encore faire 5 fois ce qu'on a fait, là. Non. Non, non, je l'imagine pas, en fait. Ah, mais j'aurais les yeux pétés, en fait. Daze, c'est un fou pour les Tsumego, ouais. Mais il m'a donné envie d'en faire parce que il est quasiment 5 Dan au niveau européen. Moi, je suis un Q, un Dan, un truc genre, un Q. Et il dit, mais j'étais un... quand j'ai commencé les Tsumego, j'étais un Q. J'étais là. Intéressant, continue. Il fait tellement vite. Ouais, mais il les connaît par cœur. Hein. Un fort d'enfer. Les formes reviennent, hein. C'est comme les Joseki, les formes. Pour ceux qui connaissaient les anciens Joseki, au moins les formes. C'est pas du truc à jeter, c'est tous les formes reviennent dans la partie. C'est pas L14 ici. C'est une question ou c'est une affirmation? Toi, tu penses que c'est quoi, Shenblood? Je pense que L13 marche. Je pense que je commence à être fatigué aussi parce que je suis pas d'accord avec vous. Sauf que quand j'ai pas été d'accord avec vous, en général, j'avais tort. Pour moi, allez, on va s'arrêter là. Pour moi, suspense. Laisse 2 secondes s'il y a un dernier message. Pour moi, la bonne réponse, c'était L14. Yes. Je suis content de l'avoir eu sûr. Il passe, il passe. Il y a un petit chichot. Ouais, t'avais bon au début, Fock. Dommage, hein. Franchement. T'avais la bonne intuition. Et ça, c'est. Bah, c'est une des choses les plus importantes, l'intuition. Au jeu de Go. Ça va beaucoup te servir. Tu laisses la pierre. Ouais. Ça, c'est dur aussi, hein, le sacrifice, vraiment. Un dernier, je viens d'arriver. Ouais, on va faire encore 2-3, allez. On va faire encore 2-3. Donc là, c'était CQ. Ouais. On le regarde un peu? Et on regardera vos propositions aussi. Donc, ici, ça, ce coup, on le voyait. Ensuite, on revient là. Et là, encore une fois, la même notion de sacrifice. C'est comme le Tsumego d'avant, il y a un au début qu'on avait fait. Blanc a beau forcer ici, il peut pas aller plus loin. S'il va là, il se fait capturer. Donc on n'a pas à avoir peur là. Et même s'il décidait de faire l'atterri comme ça. Attendez, non, il peut pas. Avant de forcer là. S'il décidait de faire l'atterri comme ça. On peut résister encore comme ça. Il peut pas aller là, sinon on le capture. Donc il capture ici. Ouf. Ouf. Et là, le chichot, il est juste de l'autre côté. C'est vraiment amusant comme situation. Donc blanc, il essaye là, tac, on capture. Peu importe hein, la situation ici.
Tac. Et ouais, le chichou s'enclenche. Parce qu'on pousse de ce côté d'abord. C'est ça qui est pas facile à voir. Parce qu'on imagine peut-être qu'à un moment, ça serait poussé comme ça, en fait. Voilà pourquoi je tue jamais rien sur ce foutu Coban. On revient 5 minutes en arrière. Je comprends pas, je les ai réussis tous. Pourquoi je tue jamais rien? Alors, ton coup, gros. Le problème, c'est que dès que ça pousse ici, si on fait ça, il y a double attaque. Et là, maintenant, ça marche beaucoup moins, puisque si on fait ça, ça capture, quand on revient là, ça ne met pas à Atari. Donc ça peut revenir prendre d'abord. Il n'y a pas assez de pression, c'est trop éloigné. Mais effectivement, cette forme, on aime bien souvent, cette forme de la fleur. Ah, c'est même pas la forme de la fleur, j'ai cru. C'est même pas la forme de la fleur. Oh, elle serait... c'est ça la forme de la fleur, ok. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme proposition? Ah oui, à un moment, tu disais M14... Le problème, là, c'est que si on veut enfermer, ça vient connecter en gueule de tigre. Ou ça peut même sortir, j'imagine. Peut-être pas comme ça, mais... Enfin, si on fait ça, il vient là, tout simplement. Mais si on va là, ben, il sort. Si on vient là, il va là, bien sûr. Mais si on pousse, il sort. Donc, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme proposition? Je remonte un petit peu. Donc il y a L13, ouais, mais L15 aussi. L15, ah oui, le chichot. Mais attends. Donc là, non, ça ne peut pas marcher. Le chichot, les pierres sont trop proches. Voilà. Il n'est pas évident celui-là. Hein. Encore une fois, c'est assez dur de lire. Il y a des captures et de maintenir ça dans son esprit et de continuer la lecture, c'est vraiment chaud. Ouais. Des fois, on arrive, des fois, on arrive. Sinon, c'est pas un PVC de CQ. Si le chichot, oui, bien sûr. Et... allez, à noir de jouer. Après, quand t'es sur le Goban. Ouais, mais il a tort. T'inquiète. Voilà, je préchote aussi. Enfin, pour moi, c'est pas au 19. Qu'est-ce que tu fais si blanc répond Q19? Et oui, j'ai conscience que j'ai donné un peu à l'avance parce que le thème depuis le début, et on voit que ça se vérifie beaucoup. Un point important pour un joueur pour se défendre en général sera souvent le point vital partagé. Oh, je voulais dire Q19. Oui. Oui, bien sûr. Effectivement, quand on joue ici, si blanc descend, on peut couper. Donc on connaît comme ça. Et si on joue comme ça, blanc peut venir là. Donc même point encore. On a dit avant que tu l'as dit. Ok, super. Et là, ben noir, il ne peut pas faire grand chose. S'il vient là, blanc va là. Noir, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. S'il vient ici... c'est un snapback. Ça ne marche pas très bien. Pouf, 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 pouf. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il fait ça, que ça connecte là, il peut pas venir là. Il peut venir ici, mais blanc répond à la taille. Salut Chris, comment tu vas? Le Chris, pardon. Salut Achilleos. Et P19. Alors. P19, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ouais, je suis 2 secondes à ça.
Pour moi, ça revient à l'Atari ici et la connexion là. Noir ne peut plus aller là. Noir ne peut plus aller là. Ok, cool. Salut, Kugutom. Kagutom. Bienvenue à tous. Q19, toujours la réponse. Toujours. Toujours, toujours. Tikosumi, bien placé. J'ai pensé à ça d'abord, ça me donnait la réponse d'ailleurs. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est, en fait, c'est pour ça que c'est bien de regarder un peu tous les trucs. Et par exemple, tu peux, encore une fois, par exemple, tu tentes ça, tu vois que la réponse c'est plutôt ça. Tu tentes ça, tu vois qu'il répondra ça. Il est bien chiant ce Q19. Bah, ça, c'est un bon raisonnement, et tu te dis, mais si je le tente tout de suite. Allez, si blanc descend, qu'il se passe. Je coupe, et là, c'est à son tour, blanc de ne plus pouvoir bouger. Il irait là, ouais, mais Atari. Fin de l'histoire. Même P19 marche sur... non. Si, pardon. Je dirais n'importe quoi. Si, si, ça marche, oui, pardon. Effectivement. Oui, oui, en fait, c'est plus simple. Je raconte n'importe quoi, c'est un point de plus. Bien vu. Bien vu, bien vu. C'était pour vous tester, bien sûr. à l'heure de jouer... C'est fait par Foxys, merci à lui. Donc ouais, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas, là voilà, on prend quelques... une minute, 32 minutes, voilà. N'hésitez pas à proposer votre coup, et on regarde ça. J'essaye de mettre la bonne réponse, hein, parce que ça m'arrive de me tromper. on regarde ensemble, après les autres coups, pour voir qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, bref. Je vais y réfléchir également, ça peut être sympa. Donc ouais, là c'est... Ça répond à quelques règles de CMAI, là. Règles de CMAI, ça me fait penser... Si vous avez loupé la dernière vidéo de Mathieu Delisotti, MDZ Go sur... il a changé. MDZ Jeu de Go, je crois qu'il a changé du coup, sur YouTube. Je vous la mets. Cours sur les CMAI. Oh, pardon. Voilà, bah vous l'avez entendu, cours sur les CMAI. Hop, ça va bien vous servir, je pense. Et à moi aussi, ça m'a beaucoup servi, bien sûr. Il est plus fort que nous tous ici, je pense. Large. Je sais pas combien il est d'ailleurs, il est 3, 4 dan, Mathieu ? Je sais pas. Donc, j'ai du S19, du S19, du S19, du R17. R17. Oui, oui. S19, ah, comme les autres au-dessus, du coup. Tu peux lire ma blague, s'il te plaît. Ah merde, j'ai pas lu ta blague. Si tu prends ton Cosmi à l'apéro avec du fromage, c'est un Cosmi. R19 également. R19. Tac, tac, tac. Allez. Et... Ok, ok. J'essaie de le tout lire. S19, je dirais. Pour moi, c'est F19 également. Parce que c'est eux qui n'ont pas d'œil, mais si blanc s'efforce à faire son œil comme là, il ne peut plus bouger ici parce qu'on va connecter. Là, si blanc va là, c'est auto-atterré. On capture. Donc on se connecte au prochain coup et c'est fin de l'histoire. Hein, pardon. Tac, tac, tac. On se connecte au prochain coup et fin de l'histoire. Et le problème avec ce coup-là, c'est que ça peut... En fait, on ne peut plus bouger. Ça va être Seki. Blanc résiste. Voilà. Mais comme tu peux tuer, Seki, c'est un peu dommage. Mais c'est... Bah, ça peut être bon sur certaines séquences, mais là, ouais, c'est un... ça manque. Oupsi. J'avais calculé la réponse de S19, R19. Ouais.
Et aussi, R19, du coup, je crois que ça pose problème parce que blanc peut venir ici. Et là, si on répond là, on se fait capturer. On n'a pas envie de répondre là. Mais si on répond là, blanc fait atterrir ici. Un œil ici. Si noir vient là pour mettre atterrir, ben en fait, on se fait capturer là. On peut se dire oui, mais on a un atterrir derrière. Non, on se fait capturer là. Et là, c'est le drame, on donne beaucoup. Donc on protège et noir et blanc protège. D'une manière ou d'une autre. Et du coup, il est vivant. Donc R19 ne marche pas non plus. R19 en réponse à S19. Oui, et là tu viens ici. Et c'est œil, voilà, c'est pour ça qu'on parlait de la règle de CMI au début, parce que c'est ce que j'ai lu aussi en premier coup, j'avais même pas lu l'œil pour blanc également, comme toi, Mickey. Et c'était œil contre pas d'œil, si tu veux vraiment garder disconnecter les pierres noires. Là, c'est fort et solide, ouais. Bah, déjà, faire un œil là, c'est pas mal. Très souvent, hein. Dans une course comme ça, si vous pouvez faire un œil avant votre adversaire, c'est pas mal quand même. Voilà, voilà. Je vais regarder juste s'il y a... Parce qu'on sait jamais, hein. Peut-être qu'il proposait une autre bonne solution qu'on n'a pas vue. Aratari Kiri, exactement. Pas mal. À noir de jouer. Non, il est assez chaotique celui-là. Hein. Alors, comment est-ce que ça se passe? Après la digue, il y a la trifle. Putain, merde. S18, il y a déjà une pierre en S18. Tout le monde est sur du R18. Oui, c'est vrai. C'est l'expérience. Non, t'es sur autre chose, Mickey? D14. Pour l'instant, mon choix, moi, c'est aucun de ce que vous avez dit, donc je me sens... je sais pas. Allez, quelqu'un dit le mien, pour me rassurer. Merci, Achilleus. Ah, c'est 15. Merci. Ah bah, tout le monde, là. Allez, hop, il suffit de demander. Merci. Moi, je pense que c'était 15. Bon, on joue T15. Si blanc va pour prendre cette pierre, en fait, c'est Mia ici, il va faire son œil là ou là. Et du coup, nous, on empêche ici. Et là, on prolonge là. Et il n'y a que plus qu'un, y a qu'un seul œil. Le problème avec R18, c'est que blanc peut aller là. Si on vient ici, il fait son deuxième œil. Et si on vient là, il fait deux yeux ici. T'inquiète, papy. Je suis méchant. Bien vu pour le T15, les Achilleus, Shine Blood, Mickey. Bien vu, bien vu. Et ici, en fait, oui, ça anéantit tout espoir d'œil. Je pensais qu'il y avait toujours Mia et après R18. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. En fait, il faut détruire la zone la plus intéressante où on peut faire localement, théoriquement, où on peut faire deux yeux rapidement. Arrêtez de penser. Arrête. Ah, d'accord. J'avais pas mis lunettes.
Il était... Ouais, à premier abord, quand on le voit celui-là, on est là, oh, ça va être compliqué. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Fight entre ça et ça, approuvé. Capturing Race, c'est un CMI, encore une fois. À noir de jouer. Ah oui, t'arrives pas à bien lire. Je vais retirer, mais... Hop, j'ai retiré la cam, je retire ça. Allez, hop, on retire tout. Hop là, est-ce que t'arrives à lire un peu mieux? C'est vrai qu'il... Ouais, c'est pas très lisible, mais ça va. Alors, je vais relire. Oh pardon, excuse-moi, on pourra le re-regarder si tu veux. Je pense qu'on peut regarder les... Peut-être ici? Je sais pas. Ça? Je sais pas trop. On va regarder ça si tu veux, désolé. Je vais lire vos messages, on regardera après celui-là, ouais. Ou je peux chercher vite fait. Tac. Je vais regarder de l'autre côté. Pouf, 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 voilà. Cherche où est-ce qu'on pourrait retrouver Records, peut-être. Non. Je ne sais pas. S'il y en a qui savent sur sur un Wechi, où est-ce que je peux retrouver My task book, peut-être. Non. Désolé, je regarde. Hein. Donne problème. Ah, peut-être. Non, je retrouve pas, désolé. My bad. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme proposition? Au 15, d'accord. Au 15, au 15, au 15. Bon. My bad, c'est P15. Ok. Je fais précédent du navigateur. Je pense que ça va marcher? Ok. Il y aurait peut-être deux réponses. Ouais, je pense que les deux reviennent au même. Je pense que les deux reviennent au même. L'important, c'est de retirer une liberté pour pas qu'il puisse se mettre à tarif. Plus intuitif, c'est celui-là, parce qu'il ressemble à pas mal de problèmes. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Elle est là. Oh là là. Et on bloque. Bref. Et c'est la fin de la série, mais est-ce qu'on peut aller voir? Non. C'était la fin de la série en tout cas. Donc ouais, sur YouTube, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était très long, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup qui ont regardé jusque-là, parce que ceux qui peut-être regardent des fois sont peut-être déjà sur le stream là de toute manière. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on recommencera ça de temps en temps, sûrement plus court. Mais bon, voilà, là il y avait eu 35-40. J'espère que ça vous a plu.
À la prochaine, salut.